Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment faire un factory reset sur un JX305 de chez Roland. Donc un JX305, c'est tout simplement un groove synth, donc l'appellation groove synth vient de chez Roland. C'est tout simplement le mariage entre un synthétiseur et une groove box, donc par exemple une MC303 ou MC505. Donc aujourd'hui, dans ce tutoriel, comme je disais, on va tout simplement voir comment faire un factory reset, donc comment remettre en réglage d'usine le Roland JX305. Donc pour commencer, on va tout simplement appuyer sur le bouton Utility, donc le bouton qui est tout en haut à droite dans la partie Edit Utility. Dès lors, vous allez pouvoir constater sur l'écran que vous rentrez bien dans le menu utilitaire. Ensuite, il suffira tout simplement avec le bouton Upper, donc le bouton Page de droite, il vous suffira tout simplement de sélectionner la fonction Factory Preset. Une fois que vous aurez sélectionné la fonction Factory Preset, il vous suffira tout simplement d'appuyer sur Entrée. Dès lors, ici, vous pourrez de nouveau sélectionner, donc avec les boutons Page, donc le bouton Upper ou Lower, vous pourrez sélectionner qu'est-ce que vous voulez remettre en reset. Donc là, on va tout simplement faire un factory reset intégral, donc il suffit tout simplement de sélectionner All. Ensuite, vous appuyez sur Entrée et une deuxième fois sur Entrée pour valider, donc. Dès lors, vous allez pouvoir constater que le JX305 procède à une restauration d'usine. Voilà, donc vous patientez bien jusqu'à la fin du processus et une fois le processus terminé, vous allez avoir un redémarrage de la machine et vous vous retrouverez donc avec votre JX305 entièrement restauré, donc avec le restore d'usine. Voilà, c'était MJK pour ce tutoriel, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.